L'aventure continue, on est de retour après un combat phénoménal. On rappelle, hein, on a fait un combat lors du dernier live. Face à notre cher et incroyable. Où est-il? Là. Yormuntid. Qu'on n'a pas pu capturer. Parce qu'on n'avait pas assez de pales. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des pales. Il va falloir qu'on répare aussi notre équipement. On va les vérifier rapidement tout de suite maintenant. Est-ce qu'il y a du métal ou pas? Pas sûr de ça, mais on va aller vérifier ça direct. Il y a pas de combat. Il y a du métal ou pas? Il y a un métal. Ils sont en train de s'en occuper. Est-ce que je peux envoyer quelqu'un qui parle? Un métal. Bon, ça veut dire qu'il n'était pas encore réapparu. On va récupérer ce qui tombe autour. Regarde, vous êtes 17, hein. Vous êtes 17 à taper dessus. Allez, encore plus. On y croit les gars. Je vous fais un petit coup de main. Je vous fais un petit coup de main. Voilà, merci beaucoup les gars. Le reste, c'est du bois. Je récupère ça. Et on rentre. Un peu bruyant. On pose. Ah, on a 50. Salut Liarka, comment vas-tu? Ah oui, c'est vrai. Attendez, on va soigner notre Ragnarok parce que sinon c'est un peu dommage. On va aller regarder les œufs où ça en est. Et bah, vu qu'on est sur une grosse session, on va regarder où en sont les gâteaux également. Quitte à se faire plusieurs barbites. Ça peut être une idée. Oui, à toi, bah, je fais bien, merci beaucoup. On va poser Ragnarok. Ragnarok est en vie. On rappelle Ragnarok. Détruit ce bâtiment. Là il n'y a plus de gâteau. Il n'y a plus de gâteau. Ah mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils ont fait des énormes œufs de dragon mais on les a pas encore officiellement. C'est dans une heure. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Et là, on a, bah, on a zéro gâteau. Ok, okay, pas bien. Ça va aller, pépère. On va aller vérifier les euros. Mais après, bon, c'était fin de live précédent. Hein, on l'a fait. Donc, vraiment, y a rien. Y a rien. On va les réparer. Wouh! Ah bon? En réparation. En réparation du pistolet? 14 lingots de métal, pistolet rouillé, en vrai on commence à se dire ça vaut pas le coup. Ça commence à nous embêter un tout petit peu. Ça coûte cher, on en est où au niveau technologie? C'est quoi la prochaine armée? Prochaine armure, c'est level 40, ouais, c'est pas maintenant qu'il va falloir qu'on répare. On va relancer les lingots. Tu bosses sous à coup? Raffinage en cours. Ça va assez vite. On va réparer celle-là. Celle-là, je pourrais pas la faire. Ça, je pourrais pas le faire. Pistolet, tout à fait. Pareil, je peux pas faire. Ok. Voilà les problèmes d'équipement. Et du coup, si j'ai pas de lingots de métal, forcément pour faire les sphères, c'est compliqué. Ah! Ah! Va falloir aller farmer nous-mêmes. Est-ce qu'on a vu un nouveau spot, un autre spot de métal? Oui, on a vu un autre spot de métal. Sous B-code. Il va falloir qu'on aille s'en occuper nous-mêmes. Attendez. Je vais ranger. À 71 de machin. Ah mais j'ai un 9 choses en vrai.
plan de pistolet inhabituel. C'est mieux que le pistolet commun. J'ai réparé un pistolet alors j'aurais dû faire l'inhabituel. L'œuf. L'œuf, l'œuf. Pas de place ici. Pas de place ici. Bon. Du coup, on va faire ça. On va aller farmer rapidement sous beacon là. Histoire d'avoir du métal qu'on va faire en métal. Du coup, il faut qu'on prenne une équipe de farm. Beacon est là. On va se TP là. Comme ça, on va aller par ici. Ça va nous permettre de découvrir ce qu'il y a là. On va faire ça. Tac. Alors, le minage. Ah, le minage, en vrai, ma moresse est quand même mieux. Si je peux me permettre. Sans jugement. Hein. Et quand on est sur son dos. Sauf que ma moresse a plus d'efficacité. Acharné. Tac, il faudrait qu'on combatte un Lunaris. On va y aller comme ça. Après, coffre en métal raffiné, c'est après. On va y aller comme ça. Ou alors même, à la limite, je vais aller là pour aller découvrir ce qu'il y a là. Comme ça, après, on pourra repartir par là plus tard. Ouais, on va faire ça. Ok. Oh non ! Ragnok. Montre-nous ce que tu veux. Wouah ! Wouah ! En direction le nord. En ouest un peu. Quoi. Le nord-ouest. Ah! Ah! Un coffre. C'est vrai que l'argent ça sert à rien. Ah, j'ai parti en orbite. Compte pas d'urge. Il va attaquer. Une lampe. Pas une bougie. Bougie Zor. Je sais plus son nom. Sympa le petit lac là-bas. Après, t'as des coins en vrai pour s'installer. C'est joli, hein. Tu vois, comme là-bas. Oh bah regarde, il y a un truc de farm. Bah, carrément, ouais. C'est une petite zone de farming. Très intéressant ici aussi, hein. Honnêtement, très très, je vais. Le Relaxorus qui nous attaque. Je pense que je vais vous laisser. Ça marche, c'est moi Choto, bonne soirée. Le petit tir comme ça. Pas mal. Je vais patienter un tout petit peu, mais c'est pas mal. Je vais sur celui du fond là-bas. Tac. C'est un peu lent, mais pour avoir au niveau du poids où est-ce qu'on arrive après avoir farmé ça. C'est vrai que tu construis ta zone à gauche et t'as ta zone de farm là, c'est pas mal non plus. Hein. Après, du coup, ça limite forcément l'espace. L'espace de construction. Si t'as ta zone de farm, mais bon. Bonne soirée à vous tous, merci beaucoup. Je vais être un peu lourd. Ok, il va falloir déjà faire les allers-retours.
On va descendre. 88. Ragnarok. L'avantage c'est qu'on est qu'à 200 mètres au final de la zone. Je vais mettre un point. Marqueur. Comme ça, on s'en souvient. On est à 200 mètres, en vrai c'est pas mal. On va faire deux allers-retours. L'emballe. Voyage rapide. C'est où? Pause, on range, tac, on est parti. Rapidité. Efficacité. Génie, talent. Là. Hop, hop, hop. Ça va, c'est rapide en vrai. Grâce à notre coursier, on est à 240 du coup. Grâce au coursier, c'est rapide. C'est une bonne zone ça. On n'est pas mécontent de l'avoir trouvé. C'est presque mieux au final que la zone. Que la zone de. De Beacon. C'est Beacon ? Je dis Beacon, mais je sais plus. Ok, on va descendre. On va remonter sur notre petit. Balle. Bien. Mamores. On a un petit peu froid, on va s'équiper. Ah, on n'a pas froid sur Beacon. Sympa. Ramasser ça. Le caillou. Bon, ça a touché ni l'un ni l'autre. Ok. Il resterait à la limite celui au milieu, mais bon. On peut le faire, on peut le faire. Je sais pas quelle est la portée de ce tir, mais... la fin. On peut le comprendre. On lui demande de bosser depuis un petit moment. J'ai pas grand chose d'autre à te faire manger. Pas. Donc bah, tu patienteras avec, avec ça. Ok, je vais aller récupérer ça là. Et on est où? Tac, tac, tac. Hop, hop.
On est pas mal. Ça nous en faisait 200 et quelques. Ça va nous faire une centaine de minerais. Y'a Cognito. Y'a un Cognito. Cognito qu'on a, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises. Hop, hop. Oh, attends, mais on dirait une statue, le gars. Il dort debout et tout. ...32... ...180... Par contre, ça bosse pas des masses, là. Un goût de métal raffiné, ce serait bien des avoir. Oh, on peut améliorer. Alors après, ça augmente la force de capture, mais en même temps, on sait pas trop. On sait pas trop parce que force de capture. Je vais prendre le pistolet. Ah bah après j'ai fusil à pompe. Ah mais je pourrais faire mon fusil à pompe en fait. Polymère et fibre de carbone. Ah ouais, enfin on peut mais on peut pas. On peut mais on peut pas. On a des grenades aussi. Un bout de métal inhabituel. Alors, il en faut 100. C'est misère. Bon. Pour l'instant, on peut pas. On va partir sur le principe qu'on peut pas. On va faire comme ça. On va ranger ça. Ok. Bon, du coup, il nous faut absolument des terrasses fermes. Qu'est-ce qu'il nous faut en priorité? Parce que gigasphère, on en est où? On a 35 mégas, 30 gigas. Sphère de pâle, on doit les avoir rangées, je pense, encore une fois là-haut. On va les revérifier. Mais... Et après, on va aller farmer. Hein. Farmer les boss. Je sais pas où je vais les avoir remis. Catastrophe. C'est pas. Plan de haut en métal raffiné épique. Ah mais j'ai même pas fait gaffe que j'avais ça moi. Tu sais je range les plans comme si c'était normal. On va aller regarder pour fabriquer ça. Plan de haut en métal épique. Ah il faut 90 métal raffiné. Métaux raffinés. Ah mais d'accord. Oh mon métal raffiné classique commun il en faut 20. Et là il en faut 90. Après c'est épique, c'est la meilleure qu'on l'ait. Hein. Ça peut être tentant. Hein. On va attendre. On va patienter. Je vais la ranger. On va patienter quand on aura un peu plus de stock. On le fera. Et 145 en tout. Wow. 45 c'est pas super. Je préférerais qu'il fasse le feu à la limite. Enfin les gâteaux. Passion que sous un coup il bosse une fois sur deux. Ah il est tout seul à faire le feu là. Il y a lui aussi, je sais pas où il est passé. Je vais pas mettre parce que. Quoi lui? Ah, il est parti manger, donc à mon avis, il était bugué. C'est tout à fait possible. Un petit peu de rôti. Ok. On va ranger l'équipe. Et quel de Lunaris? C'est le 33, 36 forcément. Bah non, j'avais aucun en fait de Lunaris. C'est vrai, c'est vrai. Après, sous Aku Aqua, on le garde vraiment pour l'XP, mais... pas le garder longtemps. Ah si, c'est nécessaire. Malheureusement, c'est nécessaire. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah ouais, les terrasphères, machin. Ah mais après, on voulait pas faire ça, là. Circuit imprimé. C'est ça qu'il nous faut, en fait.
circuit imprimé, il nous manquait quoi? Bah on peut le faire. C'est la prod. Allez bis. Ça en fait qu'un. Je crois qu'il en manquait là. Enfin, deux. Pouvoir le construire. Et du coup, on va pouvoir aller faire des sphères de pâle plus puissantes. Enfin. Chaîne de production de sphères. On détruit. Hop. Et on installe la nouvelle chaîne de production de sphères 2. Et ça, c'est carrément chiant par contre. On peut pas le poser comme on veut. On peut avoir. On voit pas ce qu'on fait. On n'a pas la portée là? Oh quelle bizarre. Attendez, faut que je pète un mur. C'est immense! Attends, ça prend 4 de blocs maintenant! Bonsoir Louvé, comment vas-tu? Vache! J'ai un peu lourd. 1002 pour 1000. Je suis coincé, je peux pas passer. Je passe tout le tour, attends. Vache, mais c'est gigantesque! Et pourquoi faire un truc pareil? Alors. Question, c'est dans quel sens on les met? Les robots sont là. On met les robots côté mur. Ou les robots côté allée. Ça c'est une vraie question. Qui prendrait le moins de place? Après il faut intervenir sur les robots mais pas obligé. Ah, oh, on ne voit rien. Allez. On va estimer que le robot là, c'est le milieu. Je l'ai mis comme ça. Là c'est pas mal. Là il y a le coffre. Wow, on met pas les robots dans l'allée. Comme ça on récupère. Allez on est parti. Elle est pas mal mise. Ah bien, je rentre du boulot, j'ai les pieds trempés. Ah! C'est la tempête? C'est la tempête? Ceci, il y avait une sacrée tempête là. Il y a eu une phase au boulot, ça a commencé à inonder l'atelier quoi. Quoi? On va peut-être devoir fermer les portes hein. Tellement il pleuvait. Et tout le monde est parti? Bah merci les gars. Ah ah! La chaîne de production de sphère 2. Du coup, on peut faire l'ultrasphère. Il nous faut de la fibre de carbone. Et c'est les ultrasphères, c'est épique. Lingot de métal raffiné. Alors, sachant qu'un lingot de métal raffiné, il faudra qu'on en garde assez pour faire notre coffre en métal raffiné. Et ça, c'est le coffre level 39. Fibre de carbone, on a la techno ou on n'a pas la techno? Tac, tac, tac. On descend. Fibre de carbone ici, il nous faut du charbon. Ok, donc il va y avoir beaucoup plus de charbon que prévu. Alors, fibre de carbone. Ah non, charbon ou charbon de bois?
Oh bah pardon. Bah on a bien fait de faire masse charbon de bois. On s'était dit ça allait servir. Bah voilà. Pour l'instant on n'avait pas encore ressenti mais on va en faire 1000. On va voir la vitesse que ça a. T'as 1000 charbons de bois, ça en fait que 200. Il en faut combien pour 2. Ciment on a. Alors attendez. Technologie. Donc en métal raffiné, il en faut 4. Non, il en faut 20. Il en faut 20. Ce qui veut dire qu'ici. Il nous en reste 25, donc on peut en faire 5. Donc il nous faut 10 fibres de carbone. Parfait. Tiens, viens là. Bon, eh, c'est ultra sphère, on en utilise une par, par boss. Hein. Parce que là, pour le coup, c'est les plus puissantes, on en a pas beaucoup. Si tous venir aider, n'hésitez pas à les faire derrière. Hein. Bien joué, Pépère. On va faire des terrasphères. On va s'en faire 30. Et du coup, level 45, les giga, méga et machin, toutes sphères là, elles fonctionnaient pas. C'est catastrophique parce que du coup, c'est ce dont on aurait besoin. Quoi. Enfin, c'est cette puissance là dont on a besoin. Je console avec un chocolat chaud. Ah, c'est vrai. Trempe une petite tartine dedans là. Trempette. Trop bon. Trop bon, trempette. 30 31. Oh, du coup on est à combien? 30 31 5 35. On bosse là le temps qu'on fait un peu. Bonsoir Ismaël, comment vas-tu? Ok. Bah écoutez, ça me semble pas mal. Je crois qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, on va aller chercher l'XP 39 pour passer le camp au niveau suivant. Et on est bon. Hein. Ici, ils veulent pas faire les gâteaux, mais il est bugué, celui-là. Même lui, il est en pause constante. Là. Affaire à des feignants. Ouais, je pense qu'il était bugué, il avait faim. Blaze Hall, là je vais te demander d'aller bosser si tu veux. Eh ben je vais bien, merci beaucoup. Je vais le faire bosser ici. Ah il veut pas? Impossible d'accomplir cette tâche. Oh, il s'est endormi là le gars. Pourquoi impossible d'accomplir cette tâche? Oh bah il est sérieux, maintenant il s'y met. On sait pas où est ton pote mais on ne doute pas qu'il va arriver. Hein. Il est bas. Travaille en cours. On sort un peu. Il est bugué. Bon, c'est pas grave s'il est bugué. C'est pas grave. Oh, puis lui aussi il est bugué. Bah attends, tout le monde est bugué en fait. Oh. Ok. On est parti. Il y a Zurob aussi qui est bugué derrière.
Alors, on est parti. Je vais prendre de la nourriture pour les animaux parce que sinon on n'a rien à manger. Ça va vous là? Je vais en prendre 500 histoire de leur donner à manger. On est parti, on va continuer donc notre quête. On va sur TP là, on va vraiment longer la côte ici, puis après on va remonter par là, tac tac tac. Puis on va faire Felbat. Felbat qui est simple. Au centre il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible autrement. Puis après on va remonter par là. Jusqu'à explorer le désert. Et on fait tout ce qu'on a à faire au passage. Enfin tout ce qui est en dessous de 45. Yarmountid était faisable. Hein. Oh, j'ai presque envie d'y retourner. Vous croyez qu'il est revenu? Non, c'est tout. C'est une heure, je crois. Je pense qu'il est pas revenu. J'ai pas refait de munitions. Et j'ai pas réparé ma protection. Attendez. Il y a eu du métal là ou pas? Oh, il y a eu du métal. On va prendre le bois. Ok. Tac. Tac. Ça va aller, hein, vous inquiétez pas. Préparation en cours, c'est vrai. Pas l'impression. Elle raffinée. Réparation ici. On est à 66. Celui épique, il était bien trop. Ouais. Munitions bas de gamme et des munitions classiques, on en a. Balles de fusil d'assaut. Ah mais on a plus de balles de pistolet. Heureusement qu'on a fait attention parce qu'on n'a plus rien. J'ai un coup de main ici. J'ai pas réparé mon mur. Oh, ils bossent vraiment les... Enfin... balle de pistolet et balle de fusil, il va nous falloir les deux. Oh. Ce qui est tout à fait logique, j'ai dû oublier de calculer. On va en faire 20. Ça nous en fait 100. Des balles de pistolet classique. Sinon on peut pas bosser. Enfin, sinon on peut pas... 1600. Je suis lourd là. Enfin, on peut... La fenêtre. Tu bosses, hein, t'arrêtes pas, ouais. Quel charbon de bois qui pèse une tôle. On va ranger ça, ça qui ne sert à rien. Fibre de carbone. La graine, elle ne sert à rien. Ok. Bonsoir Frandini. Juste pour dire, des gars ont trouvé un hume de carte bleue et ont acheté des trucs avec. Et donc j'ai la... Donc je dois la changer et donc je ne suis pas seul. Puisque j'ai une nouvelle carte qui arrive, je ne sais quand. Ah la vache, pas bon courage à toi, la misère. Moi. La misère. La misère, la misère. Courage. Dans les démarches. Et dans le remboursement, j'espère. Hein? Euh,
Ah, merci beaucoup, je sais plus comment tu t'appelles, Petalia? Merci à toi, ça va quand même un peu plus vite, hein. Surtout qu'après, il faudrait qu'on fasse un peu de balles de carbine, là. Il y a un brachiosaur dans le fond. Vous avez vu mes miniatures Jurassic World de jeu? Elles sont sympas, j'aime bien. J'aime bien. On va en faire 25. On fait ça. Les marches c'est déjà fait, je me suis fait rembourser les 500 euros, j'ai payé la carte 15 euros et maintenant j'attends. Ah d'accord, ok. Bon ça va. La galère est passée. Plus que l'attente. Tu sais ce qu'ils ont acheté? Tu sais sur quoi, quel site ils ont acheté? C'est une bonne info en vrai. Si un jour ça se trouve, c'est des gens qui achètent toujours sur les mêmes sites. Bonne info si un jour demain on se dit tiens, comment ça se fait que j'ai un achat sur ce site, qu'est-ce que c'est ce site? J'ai pas le souvenir. Ah! Effectivement! C'est le site classique. Des trucs sur le roi Merlin. Ah! Ah! Ah bon? Ah, c'est inattendu. Ah, mais tu sais que j'ai vu un docu. Un reportage, pardon. Je sais plus sur quelle chaîne c'était. Ça date, hein, c'était il y a quelques mois. Voire même, si c'était à plusieurs mois, largement. C'était peut-être même plus d'un an. Où ils expliquaient que les gens. Il y avait une nouvelle, un nouveau type de cambriolage. C'était de voler les garages. Genre visseuse, disqueuse, machin et tout. Parce que ça se revend facilement et que tu peux te faire de l'argent facile avec. Quoi. J'attends pas à ce qu'on te vole ça, mais. Mais j'avais vu ça. Bon, on est pas mal, on est équipé. Bon, et le feedrun est bugué, mais bon, c'est pas grave. On est parti. Oh non! Et si jamais on passe pas loin d'Yarmountain, on le retente. On a vu qu'on était capable de le faire. Plein ouest, direction. Les côtes. Et un œuf. Plus d'énergie, il serait extraordinaire. Même là, c'est un beau coin pour s'installer, en vrai. Cette zone est belle. Gros œuf chaud. Ça se ferme, ça. Incroyable de pouvoir farmer un truc pareil. J'ai envie de mettre un coup de pioche dedans. Dommage. Ça aurait été exceptionnel. Coffre. Ramasser le coffre. Toujours 7 prix. Le pire c'est que normalement pour acheter un truc avec ma carte il faut que je rentre un mot de passe avec mon téléphone et en plus on est censé recevoir un mail qui dit qu'on a acheté un truc. Il a rien. Et... Ah c'est le volcan qui gronde là. Ouais c'est... Bon après si t'as été remboursé ça va. Moi ça me fait de la peine. Voilà, je vous prie. Je vis dans un monde où il y a encore des gens qui font des crimes. Non mais c'est vrai. Pourquoi? Putain, en vrai, il faut tellement pas avoir de cœur, je trouve. Moi je culpabilise. Putain, l'autre coup, c'était hier matin. Hier matin,
Je suis au boulot, tu vois, je descends du bus. Il fait un peu noir. J'ai la tête dans mon écharpe parce qu'il fait froid. Et je regarde pas où je mets les pieds. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'entends sous mon pied. Oh, c'est pas vrai. Je me retourne, je regarde par terre, j'ai écrasé un escargot. Bah j'ai culpabilisé. J'ai culpabilisé tout le reste de la route jusqu'au boulot. Je me suis dit, putain, pauvre escargot, il était en train de faire sa vie, il n'a rien demandé, il se fait marcher dessus, il est décédé. Moi, je culpabilise pour ça, tu vois. Je sais pas comment les gens font pour voler, parce que... Peut-être trop de cœur. Salut Dino Blue, du coup, comment vas-tu? C'est la deuxième fois de ma vie que j'écrase un escargot comme ça, je culpabilise à chaque fois. Enfin, deuxième fois de ma vie. Depuis que j'ai la trentaine. Avant, je m'en souviens pas. Ça arrivait pas souvent. Ça fait deux fois là depuis. Deux fois en trois ans, je dirais. Je tue un escargot. Et je suis pas. Qu'est-ce que j'ai raté? On a fait beaucoup de préparatifs. Là, on est prêt. On s'est préparé les nouvelles sphères. Les ultra-sphères. On en a cinq parce que ça coûte cher. Là, on va aller voir Yormounted parce qu'on est pas loin. S'il est revenu, on tente de le capturer. Sinon, bah, objectif les boss plus au nord. Je pense qu'il est parvenu. Il faut encore attendre. Oh putain, il est là. Je vais me préparer. Je vais me préparer, je vais aller chercher Lilin. On a besoin d'un plante. D'un plante efficace. Après, on a de... Eh bien, arrête-toi là. On a des ultra-sphères, on peut potentiellement le capturer. Tac. Lilin, on la récupère parce que c'est plante, donc face à Yormountain, ça va pas être mal. Et en plus, elle soigne. On va virer Roi des Esprits. C'est le Bélal. Les gars de type plante augmentent de 20%. Et on va virer... On va virer Suzaku à quoi. Ou au pire, je vire Yormountain en vrai. Ouais, on vire Yormountain parce qu'il voulait pas se battre. On va aller dormir quand ça va faire jour. Ouais, j'ai plus de lit, c'est vrai. Faut que je me fasse un vrai, une chambre. Si j'ai le temps ce week-end, j'essaierai d'y jouer. Je vais faire mon petit lit ici à côté de la chaîne de production. Miss. Ouah. On est parti. On prépare nos armes. Bah, elles sont prêtes. C'est pas très réparé quand même. Là, on est parti sur un combat important. On va réparer. Au niveau des flèches, j'en ai pas tant que ça non plus. On va s'en faire. Munition flèche. Juste, on peut pas s'en faire beaucoup. Ça va très très vite. Ça va extrêmement vite. Oh, si on peut capturer Suzaku direct, on est content. Je vous le dis. Non, pas Suzaku, Yormountain. Je vous le dis, ça sera un vrai gros coup de main pour les combats de boss après. Un haut level 45. Merci beaucoup, mon ami. Oh non! 273 flèches. De quoi mettre 3 fois 273 points de dégâts. Sur Yormountain. Wow.
Excusez-moi, pardon. Ensuite, on vient nous attaquer. Bah, si on se fait attaquer par les surfants, on dira ok. D'accord ? Ah, ce serait bien de les éliminer d'avance. Genre la précision de ouf qu'il aime. Je vais sortir les lignes. Ce sera bien plus efficace en combat contre eux. Oh. Pas mal. Et on va falloir qu'on la joue fine. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait parier encore? Va falloir qu'on la joue fine. En essayant de faire en sorte de rattraper. Enfin, rappeler nos Pokéball. Je vais pas envoyer Ragnarok pour pas qu'on finisse à pied. Lui là-bas. Liline ? Derrière toi, Liline ! Ah ouais, réagis, hein ! À l'attaque de plante, elle marche pas sous la flotte. Bon, attends, ça marche pas. Je pense que c'est pas la meilleure zone de combat. Lily ? S'il te plaît ? Ouais, parfait. Ok, on est pas mal. Cette attaque-là, elle passe pas sous l'eau. Bon. On y croit. Le bouclier est rechargé. Oh non ! Okay. Il fait deux attaques d'affilée, mais quel chacal ! Raté. What? Attends, mais c'est quoi le rythme d'attaque extraordinaire qu'il a? Bien joué, Liline! Il faut un ping-pong! Liline! Bah, il a l'air très mécontent. Mais malheureusement. Liline, fais quelque chose! Bah attends, mais il est bugué ce combat! Bonsoir Zenard, comment vas-tu? Tu essaies de le bloquer contre. Ah, contre l'arme. Ah, il est surtout bloqué au milieu de l'eau là. Je pense qu'il a plus pied, il est en train de couler. Voilà, bah il est temps d'attaquer un petit peu quand même, non? Oh, bien joué! Et ça, si t'arrives à me faire ça quand il a genre 100 points de vie, c'est extraordinaire. Et il faut d'abord essayer de le faire. Les 100 points de vie. On va gagner. Hein. Pas arrivé. Hein. Non mais attends, mais s'il vous plaît. Il veut pas venir là? On va au milieu de l'eau. Bonsoir Gamsa. Comment vas-tu? Sinon je vais envoyer hors sec.
Orsec, il prend des dégâts là. Vas-y Orsec. N'aie crainte. Ça n'est que de l'eau. Ouais, Orsec, c'est beau ce que tu fais. Laisse pas faire. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui fait quelque chose. Hop là. Esquive lointaine. Oui, c'est phénoménal. Il est bientôt. Suzaku, tu veux y aller ou pas? Suzaku, la dernière fois, t'avais rien fait. Ça nous a un petit peu embêté. J'ai l'impression qu'il faut rien, les gars. Va là-bas. Mais il est bugué ce combat, c'est pas possible en vrai. On va envoyer Ragnarok. Anubis, tu veux y aller? Fais ton coup de poing sous l'eau là. Voilà, ça c'est pas mal. Bon, les dégâts sont pas folichons, mais on prend. Bien joué, il était en train de le faire bouger. Reviens. Retourne-y. Un peu interminable. Ouais, parce que je suis loin ou... Mais c'est lui qui veut pas s'approcher, j'y peux rien, moi j'ai papier. S'il veut rester au milieu de son lac, Léviator Rouge, il a le droit, mais... Pas qu'il se plaigne derrière s'il est capturé, hein. Hein? Mais pas à quoi son chien faut faire en vol plus simple. Ouais, mais on a pas envie de voler. Lénine! Hop là! Hop là! Alors! Lénine, ça va aller? Ouais, bien joué, Lénine! Ouais, 100 points de dégâts, c'est pas mal. Hop, on y retourne. Comme ça. N'aie pas peur. N'aie pas peur, attaque. Bah ouais, mais j'ai pas pu esquiver du tout. Au final, Liline, elle nous sert à rien. On va renvoyer Orsec. On va renvoyer Orsec. Vas-y, Orsec! Un petit peu de dégâts, c'est toujours ça. Hein. On renvoie Libis. Hop là! 2000 points de vie, on a mis la moitié. Hein. On revient parce que. Waouh, c'était beau la vague. Il y a un cadavre qui vient nous bloquer la visibilité. Anubis. C'est là où Lunaris en vrai. Je pense que. Oh le saut de génie! Une carpette! Bien joué mon petit Anubis! C'est beau ce que tu fais, tu l'impressionnes! Regarde, il bouge plus! Il est en train de se dire respect! C'est un bipède! Il est agile dans l'eau, t'as lui tiré! Eh ouais mon grand! Entraînement aquatique! Après là, 16 points par 16 points. Bon, on va tenter un petit coup de Ragnarok. Il faut esquiver les attaques. Ok, on n'a pas du tout esquivé les attaques. Ragnarok est descendu. Descend. Reviens. Oh. Liline, je peux pas te mettre plus proche. Hein. J'ai demandé de me soigner. On renvoie Anubis. T'approches un petit peu, mais c'est pas encore assez. 1749. Bien joué, 31 points de dégâts, c'est colossal.
Une balle dans l'œil. 4-4-4-4-4-4-4. 17. On revient, il ne sait pas où c'était. Hors sec! Allez, 1594. On a envie d'y croire, hein. On a envie d'y croire. Je pense qu'on passe level 39 en plus avec ça. 32 points de dégâts. 34 points de dégâts. Oh, j'ai raté. Non, j'ai mis 10 quand même. 80 et 94, c'est pas mal, parce que je sais pas ce que t'as fait hors sec, mais c'était beau. Je renvoie Lévis. Relayez-vous les deux. Vous êtes les deux meilleurs. Gardien du désert. Un Lévis invulnérable. Mais que de la boue. Oh, boum, le kick. Enfin, le coup de poing, Tagnon. Il se barre. Tel le lâche qu'il est. C'est pas mal. 1135. La petite pirouette dans l'eau. Allez, Lévis revient. Retour de Zy. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. On va l'avoir. 970. On revient. Pas de prendre cette sphère. Bon, non, 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 non. Il est en train de prendre ça, il est en train de prendre ça. On va retenter Liline, mais Liline, elle est pas. Ah, est-ce que... oh, Liline, c'est pas. Oh, Liline, peut-être. Oui, Liline. Oh, pas trop fort, hein. Ok, c'est bon. Il s'approche. Il vient se faire capturer. Léline! Oh, c'est pas mal, 500! Ok, doucement, Léline, tu me fais peur. Léline, t'es sympa, mais ça m'inquiète. Ah! J'ai crevé sa bulle! 306. Une chose, on est sûr. Ah oui, sous quoi quoi, on va voir s'il met quelques attaques. Je sais qu'il mettrait pas beaucoup. Enfin, il a pas l'air motivé à l'idée de mettre des dégâts aussi. Ça nous embête un peu. Ça nous aiderait pourtant. Je te le dis, sous à coup. Hein. La foudre ne m'atteindra pas. Ha! Ho! Ha! Merci, sous à coup. Ton coup de main est phénoménal. Boum, prends ça. Merci, jeune bouclier. Hop là. Bien qu'il serve à quelque chose. Merci, sous à coup. Ah, oh, Suzaku qui peut-être est en train de se dire je vais attaquer. Pas du tout. Oh, il y a Anubis. Il t'attaque, Anubis. Oh, le petit saut. Il sait pas quoi faire. Il est de l'autre côté, Anubis. Ouais, ça c'est pas mal. Ah, ça, ça nous aide un peu. Allez, Anubis. Hop là. Tu vois que je te sauve. Encore. Il mettra pas 200 points de dégâts, on le sait. Pas encore, Anubis. Une attaque, Anubis, et après je le termine. Une attaque et je termine. Ouais! C'est bien joué, Anubis! Ce que tu fais, c'est phénoménal! Anubis? C'est pas mal, Anubis, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, vas-y, on va s'arrêter là-dessus. Ah, oh, bah ça y est. J'allais dire, ça y est, il est de nouveau dans la situation de. Je me soumets. On met pas plus de 10, donc le temps qu'il lui reste plus de 10 points de vie, on peut attaquer. J'ai pris un petit peu chahier. On va le voir, hein. Je vous le dis, moi. Hein. On va utiliser notre première giga méta terra gigosphère.
Pas plus, pas plus, pas plus, pas plus. Et c'est tout. L'ultrasphère. Alors. Je me soigne. Raté, encore. Je vais mourir, c'est pas vrai. Divinité aquatique pyromane. Yormuntid, boss est capturé. Rex, bonsoir à toi, comment vas-tu? Merci pour le GG. Merci pour les GG. Léline, année de soin. Année de soin, Léline. Comment tu fais, Léline? Tout ça, il y a quel moment? On va aller directement à la base. Les PV ont été restaurés de 1000 grâce à... Oh, 1000! Elle soigne toute l'équipe? Mon niveau? Ah, ça n'a pas suffi encore. Ça n'a pas suffi. Bon, après, on l'a eu parce que, effectivement, les combats aquatiques, c'est pas. C'est pas les plus optimisés. Je vais passer, les gars. Par contre, il y a quelqu'un. Non, je vais virer ça parce que je perds. Ultra sphère, je suis un peu dégoûté. Il y a quelqu'un qui a pris une attaque, non? Tempête ardente, c'est ça peut-être. Hein. J'ai appris ça peut-être. Oh putain, lui, il a eu chaud. Hein. Bien joué, esquive. Alors, Yormuntid. Lévin est à saupoudrer. Salut qui fight. Et divinité aquatique en plus, sympa en vrai. Ouais. Voilà. Ah, attends. Il y avait un trou quelque part. C'est un coursier univolt? Oui, c'est vrai. Ah, il est là! Divinité aquatique, vous savez quoi? Les dégâts de type eau augmentent de 20%. Arrosage level 4. Mon petit Yormuntid, je suis désolé, mais tu es remplacé par Yormuntid. Et sous aqua, on va le garder. Liline, sympa, on l'aime beaucoup. On va la garder à la fin. Ça, c'est l'équipe, ça. Et du coup, j'ai Yormuntid sous aqua. Pour des combats aquatiques. Un compte de l'incendie du feu. C'est pas si mal. On va le sortir avant l'attaque. Phénoménal. C'est énorme en vrai. Oh mon pépère. Je te caresse. Viens là. Putain, il est énorme! Ça fait vraiment Onyx. Hein. C'est bien mon pépère. J'ai le lambal. Quoi? Qu'est-ce qu'il va être acharné? Très bien, alors. On a fait... Ah, oh, les œufs! Les œufs! 7 minutes. 7 minutes, le temps d'aller refaire un combat de boss. Du coup, là, l'objectif, on a fait ça là. L'objectif c'est ce TP ici, direction la côte, remonter là, faire Felbat, découvrir ce qu'il y a là. Là c'est 47. On va pas le faire maintenant. On va attendre d'être level 40 je pense. On va finir d'explorer ce qu'il y a là, tac tac, et on retourne vers le désert. Et je pense qu'on pourra tenter un combat de boss aussi. Parce que pour le coup, je vais chercher une étape. Pour le coup, avec cette petite équipe, ça devrait le faire. Métal.
Vous avez à manger? Oui. Je sais pas comment vous faites autant de dés. Mais... Tu as fait la selle de Yarmountil? Non, c'est level 29, 39 et je l'ai pas. Level 38. J'attends d'être level 39. Bon, je vais faire du métal raffiné. On a 156 minerais de métal. Enfin, lingots, pardon. Et on est parti pour la suite. Ah, vivement le level 39. Hein. Par contre, je trouve que le jeu au début on XP ultra vite. Et qu'après, après c'est quand même beaucoup plus loin. Peut-être que c'est parce que je capture plus autant. C'est possible. C'est possible que ce soit à cause de ça. Ouah. Direction ouest. Et après, le souci, c'est que... Ça a plus envie de tomber que de descendre. Pas de catch shoot. Bah oui, c'est plus bien. Et de la crique. Ouais, c'est plus vert. Bon, après, plus vert, bon, level 23. On va pas le refaire maintenant. Aucun intérêt. On veut, c'est partir vers l'ouest. Vers Lysangar. Imaginez le même jeu, mais. Oh là là. Oh là là. Quel film. Il y a pas mal de spots de construction quand même. Je pense que c'est à ça que ça sert toutes ces zones. Ces zones plates de sable. La tempête ardente va s'abattre sur vous, jeune braconnier. Ah ouais, tu résistes. Une tornade de sable s'abattra donc sur ton camarade. Plein d'XP. Dans tous les jeux, plus tu montes de niveau, plus c'est difficile de monter. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, mais je trouve que la différence est énorme. Après, le truc, c'est que j'ai aussi. Enfin, j'ai eu un moment où. Je faisais. Rien, on va dire, pour augmenter le niveau. Et après, je me suis mis à faire pas mal de captures avec tous les bonus d'XP. Du coup, j'ai explosé en niveau. Hop, gelé, j'ai pas. Pas besoin. Bon, ici c'est fait. On va continuer de monter vers le nord. Allez au bout. Le problème c'est que j'ai perdu mes sphères de pâle encore une fois. Sinon, je suis en train de capturer les univolts là, ça fait de l'XP. Mais... Je l'aime pas utiliser, mais. Super puissante. Salut Sleven, comment vas-tu? On va regarder ce qu'il y a dans ce.
Rien qui m'intéresse. Porque ça fait toujours de l'expérience. On va aller, camarade. Je m'occupe de la libération. Yeah. 6000. Ouais, c'est vrai que ça peut aller très vite en vrai. Attends, parce que t'es bugué dans le coin. L'attaque est remontée déjà. Bien joué, Your Mounted. Oh, il est presque trop gros. Ah, il sert à rien, il est coincé. Je te montre. Ouais. Bon, tu tires à côté. Ouais, en même temps, je l'ai vu en combattant que t'étais zéro. Tu captures plein de pales nulles pour le bonus XP. Bah ouais, mais c'est ce que je disais, mais je vais pas les capturer avec mes bonnes pales, tu vois. Et j'ai repaumé mes 500 sphères de pales. Je les ai rerangées dans un coffre sans le vouloir et je sais pas où. Ça, c'est un problème. Ah bah, fais le bat là-bas. Bah, ouais, fais le bat. Apparemment, dès que tu dépasses le niveau 35, ça devient plus difficile de monter en niveau. Ah, tant mieux en vrai. Hein. Ça oblige à farmer. Faut jouer aussi. Bon, je vais envoyer Your Mounted direct. Je vais le battre level 23. Ça va me faire plaisir. Vas-y, mon grand, t'es pas trop grand. Il t'a attaqué, te laisse pas faire! Ça m'a suivi, je ne pensais pas que ça te prenait à ce moment-là. Plus haut, plus haut, plus haut. Ouais. Pas mal, pas mal. Je vais prendre les méga là. Peut-être 130. Fais bugger le son. C'est level 23. Bonsoir la peste, comment vas-tu? Le vampire du crépuscule est capturé. Ça c'est fait, un petit tissu, des pièces antiques. Hop là, on est parti sortir du donjon. Je suis un peu dégoûté quand même d'avoir repauvé mes sphères de pales. Qu'est-ce qui s'est passé? On a attaqué quelqu'un? Ok, alors ça c'est fait. On va aller dans le centre de l'île, voir ce qu'il y a dans le centre de cette île. Il a l'air d'avoir un peu de minerai. Des très gros minerais. Et il y a un truc de TP. Rare. L'habituel est rare. Ok,
Ok, ok, il y a un œuf ordinaire tout simple. Tu cherches tes sphères de pâle bleue, elles sont dans le coffre près des plantations dans ta base principale. Ah, c'est vrai? Merci. On va aller les chercher direct. Dans les plantations. J'ai regardé dans le bois parce que la dernière fois vous m'avez dit que c'était là. Merci. On a retrouvé les sphères, on va pouvoir XP. Incroyable. Merci bien. Pour utiliser tes fruits, non? Bah, je voudrais pas les utiliser sur des tocards, tu vois. Donc à choisir, je préférerais. Les utiliser sur une espèce puissante. Yep. Comme le renforcement des pales, tu vois. Bon, là, mais j'en ai des trucs comme ça pour renforcer, mais là, je vais pas le mettre sur. Alors, c'est qu'il est pas mal, mais tu vois, mentalement instable et os fragile, il est pas parfait. Et c'est frustrant d'améliorer un gars qui est pas parfait. Dès que tu dis que tu les perds, je m'amuse à les chercher. Merci beaucoup, la peste, en vrai. Juste tes fruits pour Anubis. Il est pas fou, Anubis. Il est bien. Il est pas extraordinaire. Il est juste corps robuste. Genre on pourrait avoir plus de stats. On peut en avoir 4 max. Alors je dis pas que je veux les 4, mais. Après. Après, de toute façon, il faudrait qu'on prenne le temps. Faut que j'arrive à jouer ce week-end. Si j'arrive à jouer ce week-end, je vais prendre le temps de faire vraiment ma base. De la réarranger comme je veux pour qu'après on ait plein de trucs de cuisson, qu'on puisse faire plein de gâteaux, parce que là on manque pas de ressources de gâteaux, on manque de vitesse de fabrication, on manque de pâtissiers, on est en recrutement, on a besoin de pâtissiers les gars. Si quelqu'un est motivé, pas besoin de formation, il suffit juste de souffler sur une marmite et ça fait des gâteaux. Juste avoir un peu de souffle ou un briquet. Ça se fait. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Après, du coup, on pourrait tenter de me capturer. Oh! Eh, hey, mais Nightwing, on en est où avec Nightwing? Nightwing, bouge pas. Je vais essayer de te capturer, mais c'est pourtant bien. Ça part en bas. C'est moisi ça. Ah attends, il faut monter ça. Je vais mettre une petite flèche. Je remonte. Oh, il sait pas quoi faire. Attends, je fais... Tu vas le tuer là. Tu vas le... Bon bah il est bon. Ah ouais, bah forcément. On voulait pas le tuer, on voulait tenter de le capturer. Nightwing, je suis pas sûr d'avoir les 10. Hein. Je leur rentre dedans. J'ai trop vu ça. J'aurais dû y aller à coup de batte. En même temps, on peut le voir dans le paldex, hein, c'est vrai. Paldex. Siphon. On en a 6. Siphon, on peut capturer. Cativa, c'est sûr que j'ai les 10. Il est mort? Il est pas mort. Oh bah parfait, c'était le dernier. Pas ordinaire. Salut Energetifoc, t'as raté quoi? Oh là, t'as raté le combat de boss. On tire Wounded. On l'a refait et on l'a eu. Un peu puissant. Oh, je pense que je les ai aussi. Ah non, bouge pas, t'es où? Oh.
Voilà, ça c'est du bonus XP. Les cerfs là. Ils sont trop costauds. Ouah. Oh. Là j'ai mis un poteau. Bah ça va. On est pas bon. Ouais, on a capturé Yormuntid level 45 boss. Ça fait plaisir. Le combat était épique. Il faisait rien. Ah, il... Non, en vrai, il faisait. Il était coincé dans le. Oh! Oh! Mais c'est un boss! Le procrastinateur. Level 14, dis donc. Eh ben, en avant. Hein. Mon petit doumoud. On va y aller tout doucement. Ça t'embête pas? Hop là. Tout doucement. Tu crois qu'on peut capturer? Tu sais, genre ça rebondit dessus, ça tombe sur un cativa. Et on capture le cativa. Ça sera 26. Je pense que je peux lui remettre une attaque sans tuer. Il brûle. Vas-y, je vais mettre une attaque. Oh merde! Tout ce qu'il veut, lui, là. Doumoud est capturé. Bonsoir, je me spoil pas, je regarderai replay. Bon, je... Salut Pléthor, merci beaucoup. Bonne soirée à toi, du coup. Lit est claqué, non? Quoi? Hein? Lui? Ah ouais, il est pas fou, ouais. Bah, c'est d'accord. Viande de Doumoud, tiens, hop. Qui c'est qui veut du pain? Tu veux du pain? On est un petit peu de blé. Là, sous un coup à quoi, en vrai, il faudrait presque réussir à le trouver aussi. Parce qu'on l'a eu en œuf, mais on l'a pas encore croisé. Si, on l'a peut-être déjà croisé, en fait. On l'a peut-être déjà croisé. En fait. Oh! J'ai cru que c'était un Fox Part. Oh, je suis passé à côté. Je peux pas le toucher, il est trop petit. Écoutez, hein. Là, on a eu déjà du coup. Oh, il y a un boss Nidwing. C'est pas vrai, dis donc. Il y a un œuf cliquetant. Fox Parks, permets-moi de te rentrer dedans. Merci beaucoup mon ami. Où es-tu? Oui. Bravo. Ah, super. On est rentré dedans un peu trop fort. Du coup il est rentré sous terre. C'est pas prévu ça. Il ressort ou il ressort pas? Il est pas sorti. Oh, y'en a un là-bas. Capture ton pote, c'est pas grave. Oh bah y'en a. Y'en a un autre. Oh bah y'en a deux. Haha. Oh mais. Je pensais pouvoir les avoir en étant alliés. C'est horrible, ouais. Oh le boss des Twink. Oh merde, il est mort. Bon attends, mais il est ressorti pour protéger des Twink. Une tornade de sable. Ça devrait pas le tuer. Ouais, surtout si on le rate. Tempête ardente. Flèche de feu. Aile du firmament. C'est beau. C'est beau ce mot firmament. Non? Oh putain, on en a que 4 effectivement. On pourrait en capturer plus. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à tirer dessus. Il y avait un Fox Park qui se barrait en courant. On est à combien pour les Fox Parks?
apparemment on peut le faire. Il nous en manque un pour finir. Oh, c'est pas vrai. Nous voici level 39. Bah dis donc, ça nous permet quoi? Ça nous permet d'aller chercher le prochain niveau et surtout la selle de Yormuntide. La petite selle de Yormuntide. Le fusil à double canon. Balle pour fusil à pompe. Et surtout le coffre en métal. On va prendre ce pas et on va prendre la selle. La selle, il nous faut quoi? Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Bah tiens, je vais encore tuer quelques aquatiques. Hein. Ça, ça nous fait le fluide de pâle sur nous. Merci pour les G. En vrai, débarrer ici, c'est pas mal parce que si t'as le boss Tumud et Nightwing, ça te fait un gros qui vole. Je suis passé en dessous. Waouh, c'est bon. On peut tirer avec mon arc. Ouh, vache, il a craché dessus à une vitesse, lui, Bernard là-bas. Où est ton pote? Où est ton pote? T'as tué ton pote? Ton pote s'est barré, hein. Excuse-moi de te le dire. Lui, il était... Bon, eux, on peut les tuer. Ça, rien n'est capturé. Juste le fluide de pâle. Parfait. Typhon! J'avais fini les Fox Parts? Oh, je sais plus. Hop. Attaque les Ribuni. Parce que les Ribuni, c'est sûr qu'on les a pas tous. Venez donc vous battre, jeune lapelou! À côté. Il est mort. Pensez qu'ils vont ajouter des nouveaux pales dans les mises à jour. Oui, c'est sûr. Après, est-ce que ce sera dans la prochaine? Compliqué de savoir. Je sais plus où j'en suis. Bah voilà, c'est terminé, parfait. Ok, Ragnarok, on monte sur ton dos. On va rentrer à la base. À la limite, on va essayer de voir s'il y a une tour par là. Je vais aller là vite fait. Je vais tuer lui pour la sphère de pâle. Enfin, pas la sphère, mais les fluides de pâle. Bah attendez, on était à 7, je crois. Oh! Et ça évite du coup 9 et 10, parfait. Ça, c'est fait. Bientôt level 40. Ok, on a fini d'explorer ce bout là. Il y a un rushwar qui est pas très satisfait de ce qui se passe actuellement dans la région. Il essaie de protéger. Je vois pas de tour au loin. Après c'est pareil en nocturne, on en a pas. On en a pas capturé beaucoup. Ah c'est au-dessus là-bas. Il va faire froid là non? Voilà. Salut Enderpet, comment vas-tu? Prendre un autre arc, tu gaspilles des flèches car il y en a qui m'ont dans le sol. Non, je gagne, c'est une flèche qui en tire 3. Donc on gaspille pas.
Ah, y'a pas de... C'est un boss là. Une zone comme ça, c'est forcément un boss. Daydream. C'est un boss Fox Sports? Tac, bougez pas, je vous remets un petit coup. Ah non, il... C'est juste une zone de construction. On est à 7 en Daydream, ça va en vrai. Il est là le gamin? Non, il est pas là. T'as un extraterrestre qui arrive pendant qu'on dort. C'était bon les typhons, je crois. On a capturé le gars. Bon. Cette zone est faite. On va aller chercher la tour. On va aller se faire notre sel. Oh, attends, ça a marché sur l'autre. J'ai utilisé une brosse. Daydream. Quoi? Oh, il s'est pas laissé faire. Quoi? Parfait. Ribuni. T'as raté quoi? On a capturé le boss surmounted. On a capturé d'autres boss aussi. On est passé level 39. Là, on va faire passer. Enfin, on va faire la selle de Yormounted. On va faire passer la base au niveau suivant. Voir ce qui est nécessaire pour le niveau d'après. Si on peut déjà le faire, bah on le fait. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse. Et après, bah, on va continuer d'explorer pour aller. Pour aller chercher les prochains boss. Hein. Et je pense qu'on va se faire on va se retenter ça là. Parce qu'avec les deux Yormounted plus Suzaku Aqua plus mon talent hors du commun, je pense que c'est faisable. Héroï avait encore perdu ses sphères de pâle, exactement. Exactement. Les extrémistes des flammes éternelles. Ils décident de s'acharner sur nous. Et ils périront. Yormounted va leur... Non. Ragnarok va leur montrer ce que c'est la puissance des flammes éternelles. Moi, l'oiseau de feu. La proie de mauvais augure. L'ours. Oh là. Tempête ardente. Ha ha. Oh, mais ils ont explosé en fait. Ils se sont tous explosés là? C'est pas vrai. Tempête ardente! Ah, on a essayé de prévoir un mouvement qui n'a pas été fait. Ah, mais ils ont donné toutes des sphères de pâle! Âme de pâle moyen, pardon. Ouais. Mon petit Ragnarok a faim, on peut le comprendre. Un petit moment qu'il est en vol. Ils se sont explosés. Ah. Font demi-tour. Ils regrettent. On n'est même pas encore arrivé à la base. On est déjà mort. Ah ouais, en fait, ils sont explosifs. Tu veux un petit steak? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu veux... bah, de bébé, hein.
Ça a été ici? Tout s'est bien passé, les gars? Ouais. Pourtant, c'est que tout se passe bien. 90, parfait. On rentre. On range. Ah. On va faire quoi là? Bah, je viens tout juste de le dire. On va aller se faire. Ça, et je vais faire le reste en un groupe classique. On va ranger ça. Bientôt ça n'avance pas, c'est une catastrophe. Ils veulent pas bosser les gars. Ah, on va regarder nos petits boss qu'on vient de capturer. Rentre dedans. Petite irritation. Grimoire. Ah, mais c'est vrai qu'il farm à deux, bien. Il est pas mal. Il est pas mal. Alors, l'objectif, fabriquer. Fabriquer ça. Permet de stocker les objets et sa matière en acier et le rend très robuste. Waouh! C'est un très gros coffre. Je vais le mettre juste ici. C'est un peu. Pas du tout un bon endroit. La porte est de quel côté là? La porte est là. Je vais le mettre là. Anubis. Oh. De toute façon, on le déplacera, hein, on perd pas les trucs. Les œufs sont prêts! Exactement! On va aller voir ce que c'est cet énorme œuf de dragon. Je suis en train de regarder un talent sur Jurassic World Evolution 2 pour faire le même part. Bah, merci beaucoup. On va ranger ça, 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 ça. Oh, c'est un énorme stockage de rangement! Oh, quel plaisir! Oh, bah ça, ça fait plaisir. Bah, du coup, je peux tout mettre. Là, on peut tout ranger là-dedans. Tac, tac. Rapidité. Ça, ça fait plaisir. Du coup, on a fait le coffre. On va améliorer le camp. Chaîne de production niveau 2. Ça va être level 20 pour le prochain niveau. Chaîne de production niveau 2. Je peux la faire déjà, la chaîne de production niveau 2? Giga planeur. Machine, chauffage. Terra bouclier. Oh, il y a qu'en sphère légendaire. Ah non, chaîne de production d'armes niveau 2. Attends, mais je vais pouvoir la faire, la chaîne de production niveau 2. Je l'ai pas vu. Niveau 42, c'était? Je l'ai pas vu. Ah ouais, c'est pas maintenant. Hein. Dis donc, c'est pas maintenant. On va aller faire notre sel de Yormuntid et on va pouvoir nager avec, un peu avec, voir ce que ça fait. Il nage vite. Super. Sel de Yormuntid. Est-elle? Est-il? Fabrication. À lui, ça. Oh là, il est tellement efficace, Anubis, qu'il le fait de dos. Sans les mains. Le talon à l'état brut. Ah. J'adore, merci, dame, merci. On va aller voir les œufs maintenant. Merci, mon petit Anubis. Alors, qu'est-ce que c'est que cet énorme œuf de dragon qu'on a eu? Est-ce que ça vaut le coup de débugger Elfidran? Elfidran à quoi? Bah attends, mais il est où, lui? Putain, mais on avait besoin d'un où, en plus. Elfidran à quoi? Non, c'est pas là, Paldex. Elfidran à quoi? J'ai pas le souvenir d'avoir vu que manquait un Elfidran B. Elfidran à quoi?
sais plus quel numéro il me manquait. Ah si, il y a 80 et 80B. Mais il était là. Il était pas là. GG, merci beaucoup. Mais il était pas là. Huile de pâle de qualité. Abattage 2, arrosage 3. La première capture, c'est pour ça. Mais non, mais il était pas en 80. Il y avait pas de 80B. En non découvert. Si. Ah ouais. Bah non, parce que l'autre coup, il y avait un truc B, genre 89B là. On savait qu'il nous manquait quelqu'un. Salut Zéo, comment vas-tu? Ah bah attendez, mais du coup on va débloquer les filtres. Filran revient. Attends. Si si si. Pardon, j'ai attrapé le mauvais. Oh ça y est, ça va rebugger. Ah ouais, ça m'a donné faim de le porter. Quand tu les croises combattent. Les bis apparaissent que la première capture dans le paldex. Ah d'accord. Ah, donc je l'avais peut-être croisé, effectivement. Il nous en fait un œuf instantané. Bah du coup, on va compter. Là, on en a 2 œufs en plus qui vont arriver. On va compter combien on en a. Ça, on va faire les 10 captures d'un coup. Enfin, on va compter 3 avec celui que je viens de mettre. Il filera à quoi? Elle finira à quoi? Oh putain, il est fort lui. Hein. Chef, tu vois, bah ça par exemple, ça je veux bien l'améliorer. Chef d'extraction machin. Bon, un chef d'extraction c'est pas forcément le mieux, mais. 4 stats, 4 stats positives. Là, je vais bien, merci beaucoup Zio. Stratège forteresse condensateur, mais il est pas mal du tout. Ah. Du coup on était à 6? À 5 ou 6? Je sais plus. On est pas là-haut. Paldex. On est à 5. 6, 7, 8. Je crois que j'ai deux gâteaux là, donc ça fait 9-10 avec... On aura les 10 Elfidran à quoi? Mais du coup. Elfidran il est très intéressant. Hein, pour le combat de boss. En vrai, on aurait stratège, forteresse et coursier, il serait pas mal. Hein. Bon, après, coursier ça sert que pour le déplacement, on utilise Ragnok. Mais le brave là, celui-là il me plaît bien. Hein. Capacité d'extraction. Ah ouais, non, c'est nul en fait. Il est pas d'un goût. Ah, c'est que du chef d'extraction en fait. Enfin, le mieux c'est lui quoi. Stratège forteresse. Je crois pas qu'il ait capturé avec celui qui. Non, on n'a pas capturé Yarmo. Tind Ignis encore. Faudrait qu'on aille le chercher. Il est beau à quoi? Ah, c'est vrai qu'on l'a pas regardé. Attends. Si elle voit. Oh, oh, c'est exactement le même mais en bleu foncé quoi. Pour le coup ils se sont pas embêtés. Hein. Bon, en même temps c'est le cas pour tous. C'est vrai. C'est vrai, c'est le principe. Il est sympa, j'aime bien. J'aime bien et on est content de l'avoir. On est content de l'avoir, ça va faire un haut à faire XP. Du coup, on peut avoir Yormuntid, Yormuntid, Suzakuakua, Elfidranakua, et encore un Elfidranakua. Ce qui nous permettrait de d'avoir une team full haut pour aller faire les combats. Par contre, il faut les XP. Pour l'instant, on va le laisser là, lui.
Ça se trouve, on aura mieux. Après, c'est pas si mal quand même. 36, c'est un peu faible encore. Ouais, c'est qu'il sert à rien sous à coup à coup en vrai. Il attaque pas. Albis, il est quand même pas mal avec son corps robuste. Bon. J'ai faim. Ah, j'ai plus de tartines, de confiture? Ou alors? Ah, j'ai plus de farine non plus. Mais farine, normalement, j'en ai en stock. On l'avait préparé. T'as testé la salle Yermontine? Non, on va la faire là. J'ai rangé mes pièces d'or. 71 000. On va aller se faire quelques petites tartines de confiture parce que c'est quand même vachement bon. Il y en a qui ont faim, c'est qu'ils sont buggés. Une omelette aux champignons. En attendant, très bien. Je vais débugger les deux qui sont buggés. C'est sous à coup. Ah, sous à coup, il est tout le temps. Hein, de toute façon. Voilà. On sur les tartines 5, 6. Les gâteaux, c'est vraiment interminable. Ce que tu as exploré. On a exploré du coup la zone à gauche là. On n'avait pas fini d'explorer et la zone là. Donc maintenant on va aller explorer la zone là. Mais j'ai envie de tenter le combat. J'ai envie de tenter le combat de boss. Est-ce qu'on se ferait pas une tentative? En vrai. On va faire ça. On va se faire une tentative. On va tester. La selle de Yermontid. On va se faire la team O avec un Elfidran Aqua moisi. On voit si ça passe. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ben, c'est pas grave. Et si ça passe, notre Yermontid, enfin entre Elfidran Aqua, il va prendre full XP pour le prochain combat. Non, pas le world du pain fourré, on prend une partie. C'est vrai, pain fourré. On prend plus Lunaris, non. Non, non. Oui, on réessaye. Ouais, on va essayer. On va essayer. Je vais couper pour le replay. On va enchaîner dans la foule.